Linda, Les Anges, la doyenne en colère de ne plus être appelée par les productions. Depuis 2 ans, le téléphone de Linda ne sonne plus. Les productions de télé-réalité ne semblent plus intéressées par celle qui avait déjà tenu le rôle de doyenne dans Les Anges. À 65 ans, Linda ne dirait pas non à une autre émission de télé-réalité. Les téléspectateurs ont pu la découvrir dans Qui veut épouser mon fils, sur TF1 en 2012. Elle souhaitait alors trouver la femme idéale pour son fils Alexandre. Ce dernier a depuis fait sa vie loin des caméras. Il a d'ailleurs trouvé chaussure à son pied et est même devenu papa. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est sa mère qui a pris goût au projecteur. Elle avait été contactée par Energy 12 pour être la doyenne des Anges pendant plusieurs saisons. En 2015, Linda avait cependant affirmé vouloir arrêter les tournages après avoir participé aux Vacances des Anges. Les téléspectateurs ont pu la retrouver en 2017, dans un dîner presque parfait, émission dans laquelle aucun des autres participants ne la connaissait. Linda pousse un coup de gueule, je pense avoir marqué la télé. Nos confrères de Téléstar ont pu s'entretenir avec Linda qui, comme à son habitude, n'a pas mâché ses mots. Vexée de ne plus être contactée par les productions, elle a déclaré. Aucune production ne m'a recontactée. J'estime être quand même un personnage. Je pense avoir marqué la télé, aujourd'hui on m'arrête n'importe où. Je suis encore très reconnue dans la rue. Les gens ne m'ont pas oublié. On m'a zappé dans Les Anges, ça fait 2 ou 3 ans, je ne trouve pas ça normal. Fred aussi aurait voulu participer aux Anges cette année. S'ils n'ont plus assez d'audience, c'est parce que les ménagères ne regardent plus. Linda avoue que la télévision lui manque. Elle avait été contactée par Star 24 pour partir en Tunisie et apparaître en tant que guest dans Zéro Complexe. Mais sa belle-fille étant enceinte durant cette période, elle a dû annuler. Aimeriez-vous revoir Linda dans une nouvelle télé-réalité ?